Bonsoir, bonjour, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Gaoufou pour ce nouvel épisode de la série avec Sampaoli. Nous sommes aujourd'hui réunis pour trois matchs, un contre Hanovre, un contre Ingolstadt et un contre Karlsruhe. On a fait une session hier avec un match de coupe et ensuite deux matchs, dont un match nul contre Paderborn, un match victorieux contre Regensburg. Nous allons juste faire un petit peu le tour de l'actualité hein, de l'équipe. On le voit, hein, Oliver Batista Meyer a été rappelé par le Bayern. Nous n'avons pas respecté l'accord de prêt, donc ils l'ont repris. Ça m'enlève une épine du pied. Effectivement, hein, on le voit, l'équipe voilà, dispose de quand même pas mal de milieux, de latéraux. Ça va permettre de faire tourner un petit peu plus. Je pense que Badiachile, on va le sortir. Tac, tac, on va faire passer un petit peu devant Marvin Knoll et Eric Smith. Donc on verra hein, qui joue au milieu, qui joue où. En tout cas, Kieré, ça lui permet d'être titulaire ou en tout cas remplaçant à la place de Hartel potentiellement. Hartel dont le niveau a baissé. On a Thiago Neves qui sera titu. Hein. Bon, on le voit, c'est le tireur de coup de pied arrêté. Il fait pas mal de choses dans l'équipe. Voilà, on va essayer de monter une équipe avec Pavlenka au goal, Avevor à droite, Medic, Mangala, Léart Pacareda, Paul Seguin, Butchman, Christopher, Finn Becker, Marcel Hartel, Thiago Neves. Donc je pense qu'après la montée, il va partir. Paciencia, Gonzalo Paciencia. Ensuite, voilà, vous avez les remplaçants. Donc pour faire un petit tour, un rapide tour d'effectif, voilà. On a Badiachile qui va pouvoir servir de deuxième gardien en coupe. On va essayer de le faire jouer un petit peu, quelques matchs aussi en championnat, étant donné que la saison se termine. Je vais le rendre aussi disponible, je pense, pour l'équipe 2, pour pas qu'il n'ait pas du tout de temps de jeu. Pareil pour Afiz, Aremu. Tac, histoire de vraiment pouvoir utiliser ses joueurs en temps voulu. Et puis Breno, hein, qui est un peu vieillissant, bon, on l'a pris pour la rotation. Pour l'instant, il ne sera pas titulaire. On va tout de suite pouvoir passer au match, au premier match. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à poster quelques commentaires. Je pourrais vous faire des retours très rapides. Je pense que vous le voyez, hein, les commentaires, les retours, ils sont faits au plus vite. Et n'hésitez surtout pas à me solliciter si d'aventure vous souhaitez voir certains points ou certains contenus à aborder sur la chaîne. J'ai oublié quelqu'un. Visiblement, j'ai oublié quelqu'un. On va faire jouer Irvine. Hein. Peut-être Aremu. Aremu, en fait, il a un gros potentiel. Mais je pense qu'il l'atteindra jamais. Parce que faute de temps de jeu et faute aussi de profil. Il a quand même joué 7 matchs en tant que remplaçant. Je n'ai pas vu vraiment progresser. Il faudrait que je lui donne du temps de jeu en tant que titulaire. Mais son niveau, il est vraiment éloigné du niveau de l'équipe 1. Et il a déjà 22 ans, donc compliqué de le voir progresser d'un coup. On va, lors des périodes entre matchs, on va procéder juste à je m'arrêterai, je mettrai à pause sur l'enregistrement, et soit je m'arrêterai s'il y a un événement important, soit tout simplement, en fait, je réapparaîtrai au cours du match. Ça fait gagner quelques minutes, parce que c'est vrai qu'il ne se passe pas forcément grand-chose. Et s'il y a quelque chose d'important, autant vous arrêter à ce moment-là. Donc voilà. On va aujourd'hui recevoir du coup Hanovre. Hanovre hein, qui est une équipe plutôt au milieu de tableau hein, cette saison. Voilà, on a Mousslia qui là déborde, qui va proposer du beau jeu. Hein. Il va proposer du beau jeu. Donc voilà. Ensuite, on va trouver Thiago Neves pour le corner. Et le but de Finn Becker. Peut-être hors jeu, je pense. De ce que j'ai vu, il l'est. Ouais. La tête, elle part. Il est déjà dans les 6 mètres du gardien et tout. Regardez ça. La tête, elle part. Voilà. Il est déjà dans les 6 mètres du gardien. C'est bizarre. Ron Ziller. Bon, ils repartent avec les défenseurs, hein, c'est une façon de faire, la nôtre un peu hein, aussi, mais qui est risquée parce que regardez,
Ils perdent la balle très haut. Oh là 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 là. Et Thiago Neves qui n'en profite pas. Qui tire au-dessus. On va pouvoir mettre la pression à Karlsruhe hein, si on gagne ce match. Grâce à une première place éventuellement. Bon, conservée à la sortie de cette journée. En tout cas, avec des points peut-être en plus. Bon, encore faut-il gagner ce match. Hein. Très important de faire les choses dans l'ordre. Pour l'instant, 4 points d'avance. Ils ont un match en retard, donc ils peuvent revenir à un point. Éventuellement, si on fait match nul. Par contre, si on va chercher la victoire, voilà, on va en demander plus à nos joueurs. Si on va chercher la victoire, ils auront la pression. Eux et le Fortuna Düsseldorf, bien sûr. Qui seront ex aequo en termes de points. Je suis en quoi? Je suis en moment clé ou en... Ouais. Mini résumé, c'est bizarre. Il se passe pas grand-chose. Bon, ben... Voilà. On a Van de Ven qui centre pour Weerhaert. Oh là 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 là. Les supporters hein, qui vont se faire entendre, qui vont encourager leur équipe. De manière à avoir aussi un peu plus de... Voilà, de force. Hein, les joueurs vont aussi haranguer la foule. Pavlenka qui dégage au loin. Ça revient. On va réduire un peu la vitesse. J'aime pas, ça va un peu trop vite. C'est pas beau. Bogarde qui va trouver Honda. Ondua. Weident. Oh là là. On est dominé là. Hein. On est plutôt dominé, je trouve. Hein. On s'est pas procuré de vraies belles occasions. C'est là, ici. On va repasser parce que c'est vraiment très lent sinon. Et c'est compliqué. En tout cas, c'est compliqué cette première mi-temps. Je suis déçu. Ah, je suis déçu. Même Paciencia, hein, il n'a pas été tranchant. Il a failli faire une passe décisive, une passe clé, hein, je pense, hein, qu'il a réussi à envoyer. Mais bon, Hartel qui se retrouve avec le ballon côté droit. Il centre, c'est dégagé, ça va en touche. Ça va en touche, une touche qui va être exploitée hein, du coup par Canada. Bon, ça n'a rien donné sur cette touche. On se retrouve sur un corner hein, à 48e minute. C'est dégagé. Finn Baker qui a le ballon et qui va pouvoir... qui va pas pouvoir la donner malheureusement. Meina qui est chassé. Tribal avec Stanisic. Bogarde. Van de Ven qui avance, qui peut servir Weident. Et Vina à qui on donne le ballon, mais très mal. Van de Ven. Et Vina, Van de Ven, qui sert Mousselia en profondeur. Et Poto rentrant, malheureusement pour nous. Ah, ça commence à m'énerver. Hartel, il sort. Ah ouais, non, Hartel, il sort. Il fait un match catastrophique. 55e, il sort. Ah, le carton rouge. Voilà, bon, on va peut-être jouer un petit peu plus offensif. Hein, ça nous offre des possibilités. Hartel, il est encore pire que je le pensais. Voilà, je lui laisse un peu de temps de jeu. Il fait n'importe quoi. Bon bah, on va le sortir. Hein. La chèvre. Il joue comme une chèvre. Bon bah, on va faire rentrer Smith. Puis effectivement, on va voir ce qui se passe. Avec le reste de l'équipe, putain. Oh non. Très offensif. Qu'est-ce que vous voulez jouer? Oh. Ils vont pas perdre quand même, là. On va m'embêter. On va aller chercher au moins le but du nul. Ah ouais. Ils sont pas bons ce soir. Avevor. Avec Zender. Attendez, on va mettre à pause. Sur pause, pardon. Lamine Koné. Et pourquoi pas... Est-ce que je fais rentrer Doudou à la place de Patience, ça. Il a rien montré. Mes joueurs, ils sont bousculés. Hein. Ils sont bousculés. Ils sont littéralement bousculés, là. Ils font rien de bien, là.
Ah ouais, non, mais ils vont égaliser, ils vont égaliser. Mais en toute fin de match, je pense. Zender. Voilà, Bitchman qui va trouver Doudou. Doudou qui sert Finn Baker. Ah non. Ouf, Stanisic. Long dégagement du gardien qui trouve l'autre gardien, Pavlenka. Et Finn Baker. Oh là là, putain. Ça tire au-dessus! Alors, passer en offensif, on va voir si ça amène pas un peu plus de stabilité. Koné qui va trouver Finn Baker. Doudou qui sert Pacarada avec Kiré. Oh là là. Sérieux, les gars? On va pas la perdre celle-là quand même. À 11 contre 10. On est à la 90e, il reste 4 minutes. Toute fin de match, hein, comme je vous l'ai dit, hein, ils vont égaliser. Ça devrait se faire comme ça. C'est le scénario, c'est le script. Le script veut ça. Ah là 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 là. Ça fait tourner et nous, on court derrière le ballon. Voilà, ils nous font courir. Mais regarde le pressing qui est lent, qui est pas bon. Et Medic qui récupère, qui envoie sur Smith. Doudou, Stanisic, voilà. Mais non, me dis pas, on va... Oh, ils sont sérieux. Oh là là. Ah ouais, non, ça veut pas jouer, là. Medic avec Bechman, Smith, avec Koné. On retrouve Doudou, Kéré. Ah, je vous jure, j'ai la haine. Oh, j'ai trop la haine. Bon, bah, ok. Match perdu. On peut pas jouer comme ça. On peut pas se faire bousculer par le 10e. Ils sont à 10 contre 11, ils nous la font. C'est pas comme ça. Ils gagnent du temps, ils font tout. Batchman, match perdu. Ça, c'est un match perdu. T'as un ballon, tu... Match perdu. Bon, bah voilà. On baisse la tête. On va agiter les bras. Vous devriez avoir honte, c'est inacceptable. Non, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. J'attends vos suggestions. Voilà, voilà. Merci. J'ai trouvé cette rencontre. Je laisse ça au consultant. Ouais, non. C'est pas mon rôle. Je laisse ça au consultant. Ouais, non, mais je suis énervé là. Là, je suis colère. Et quand je suis colère, eh ben, je sanctionne. Et quand je sanctionne, eh ben, faites gaffe, les gars. Parce que là, vraiment, c'est des semaines de salaire qui vont sauter là. Perdre contre le 10e comme ça. Ouais, semaine. On fait passer en... Là, c'est plutôt des semaines, ouais. Ouais, là, on va faire des économies, là. Je vous le dis, là, on fait des économies, là. Là, on fait une belle économie. Ah, il a de la chance, ce gars. Ah, Martel. Marcel Artel, là. Oh, lolo. Lui, il va prendre sa semaine, hein. Ouh. Lamine Koné. Pareil, t'es rentré combien de temps pour prendre un jaune et faire un match dégueulasse? Eric Smith. Oh, il a pas beaucoup joué, c'est vrai. Moi, je vais pas vous voir la presse. Hein. Je parle pas à la presse. C'est mon adjoint qui fait ça. Voilà. Il accepte et il va s'améliorer en détermination. Merci, Artel. Il accepte. Voilà. Bon, ben, j'ai économisé 4 semaines de salaire de ces 4 joueurs-là, déjà. C'est pas le but. Le but, c'est de gagner. Bon, on se dit à tout de suite. Attendez, on va juste regarder le classement. Une fois que Karl Schrou et compagnie auront joué. Ça va être plus dimanche. Voilà, je ferai un petit point classement dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Voilà, pour le petit point classement, comme on peut le voir, on a eu un nul de la part de Düsseldorf et une défaite de Karlsruhe, ce qui fait qu'on a gardé la première place avec 2 points d'avance sur Düsseldorf. On va jouer aujourd'hui Ingolstadt. Pareil, un milieu de tableau, plutôt voilà, la partie... proche de notre partie du classement, ils ont 10 points de retard sur nous. L'idée là, ça va être de faire de se racheter, hein, de faire un peu mieux. On va regarder aussi au niveau de la cohésion. On en parlait hier, peut-être dans les commentaires, en tout cas, de mettre un peu plus de cohésion d'esprit d'équipe. Voilà. Moi, j'aime bien mettre aussi d'esprit d'équipe. Et pourquoi pas, après, c'est plus de la préparation tactique du collectif. Voilà, travailler la cohésion. Ça va aider parce que là, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de changements à la mi-saison. Mangala qui est pas très bon. Koné non plus. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec ce poste de défenseur gauche.
Ils ont vraiment du mal à s'adapter, à se mettre dedans. En tout cas, on va faire en sorte que ça soit mieux hein, pour la suite. En tout cas, lui, Malangala, il est en stopper. On va le mettre plutôt en défense. C'est mieux, je pense que ça convient plus à son profil et au profil de joueur que l'on veut utiliser. On va passer tout de suite au match. Hein. Il n'y a pas de changement à faire hein, dans ce 11. Je pense pour l'instant, en tout cas, Artel, s'il ne donne pas satisfaction, il va sauter. Clairement, c'est le joueur que j'ai dans ma ligne de mire. C'est censé être un leader de l'équipe. Il ne fait pas le travail depuis. Il ne fait plus le boulot depuis un petit moment. 6 buts, 2 passes décisives. Il devrait faire plus. Oh, on va jouer en blanc aujourd'hui. On est à l'extérieur. Le but, ça va être de les bousculer. Hein. On a Artel hein, avec le ballon. Voilà, voilà. Ce sera tout pour la première minute. Parfois, ça peut aller vite. Mais là, c'était pas le cas. Hop là, déjà 12e minute. Thiago Neves qui va tirer ce corner. Medic qui ouvre le score. Medic, oui. On a mis le col roulé, c'est l'hiver. Hein. Il pleut un peu. Bon, voilà, on est mouillé. Mais bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Voilà, on a sorti le col roulé aujourd'hui. Medic qui, voilà, qui vraiment nous apporte le médicament. La solution à nos maux. En tout cas, on passe la barre des 50 points. Si l'on gagne ce match, voilà. Je pense qu'on va faire une petite victoire de 2-0 ou 2-1. Voilà. Vraiment, je pense qu'on va mener et on va se faire reprendre légèrement. Je pense que ça peut se passer comme ça. Ouf. Pavlenka qui va être très utile sur ce corner, coup franc. Ouf. Ça heurte le poteau. Mais ça n'en rentre pas. Voilà, on va frustrer l'adversaire avec notre réussite. Ah là là, Roll, Schrock. Bouger l'ab. Oh là là. Oh là là, merci Pavlenka. Ouh loulouloulou. On nous met la pression là. On nous met la pression. On va leur demander de se concentrer. C'est important. C'est important de jouer concentré. Tendera qui réussit à garder le ballon malgré son erreur. Schrock qui va centrer. Mangala qui dégage. Il a tenté de trouver Paciencia sur ce dégagement, mais malheureusement, l'attaquant portugais n'a pas réussi à se saisir du ballon. Pavlenka, avec le bel arrêt de Pavlenka. Normalement, on doit monter avec cette équipe. Hein. Elle est meilleure que celle de la première partie de saison. Et c'est l'égalisation de Kouchke. Sur une passe décisive de Stendera. On est bousculé. Je pense qu'Avevor, il a... Là, il est en train de rater plusieurs matchs d'affilée. Artel aussi. Ils sont mauvais. Hein. Ils sont vraiment très mauvais hein. Au milieu de terrain. On ne fait vraiment pas le boulot, là. Là, on ne fait vraiment pas le boulot. Seguin, il n'est pas à sa place, je crois. Je sais pas. Je ne sais pas si ça vient de Seguin ou ça vient d'autre part. Peut-être le passer plutôt sur un meneur de jeu en retrait, mais plutôt sur un profil soutien. Je sais pas. Est-ce qu'il joue trop bas? Est-ce que ça n'aide pas Butchman et Finn Baker? En tout cas, on va essayer de modifier un petit peu ce rôle. Butchman, qui a le temps, qui est tout seul, mais qui met une tête, je comprends pas. On va aller au vestiaire et on va les bousculer un petit peu les mains jointes. On est meilleur qu'eux, il faut mieux jouer que ça. Vous êtes capable de faire la différence. Je suis vraiment très mécontent de votre prestation au milieu, surtout Artel. Il est démotivé. Artel, il va sortir à la mi-temps, c'était pas mal, mais Artel, je pense que je vais le sortir là maintenant. J'ai dit hein, je sais pas si c'est Doudou Kéré qui a quand même... voilà, plutôt... C'est un droitier, hein, Kéré. Voilà. Il va avoir le rôle délié. Hein. On va demander à ce que ça... Les ballons arrivent sur Paciencia. Parce que... Voilà, c'est un attaquant complet. On va essayer de jouer comme ça. Un attaquant complet. On va voir s'il est capable d'imprimer quelque chose. En tout cas... Pacareda, Paciencia. Oh lolo. Mauvais ballon, là. Ça c'est un très très mauvais ballon. Au-dessus de la défense pour un joueur qui n'a pas de vitesse. Petchman qui réussit à défendre.
Poulsen qui l'avait mis en difficulté un peu sur 40 mètres. Il a réussi à se reprendre et à bien tacler son adversaire. On va demander plus parce que là, vraiment, c'est pas du tout au niveau. Avevor qui va sortir et laisser sa place à Zender. Pacienza qui va laisser sa place à Doudou. On a Pacareda. Est-ce que Pedro... Ah non, il va pas être d'une grande utilité. Moi, ce gain, j'ai du mal. Hein. Marvin Knoll, peut-être, pourquoi pas. On va faire jouer les anciens. Au milieu récupérateur soutien. Voilà. Et hop, on fait tout un tas de changements. 4 changements en tout depuis le début du match. On essaie de rééquilibrer Zender, Lucas Zender avec Kéré qui trouve Null. Mais qu'est-ce que vous faites? Pacarada, Finn Baker. Ouh, Pacarada qui tente de l'extérieur de la surface. Voilà, on va avoir des joueurs aussi. Hein. Ils vont être actifs. Doudou, Pacarada, toujours pas de bonnes notes, toujours pas une élévation du niveau de jeu. Hein. Pacarada qui va peut-être laisser sa place, ou peut-être je vais faire rentrer Balouli. Balouli. On va faire ça, Balouli qui va rentrer à la place de Thiago Neves. Tankulic, oh, s'il marque, s'il gagne ce match, ça va m'énerver. Voilà, merci Pavlenka. Merci. Allez les gars, on y va. On va chercher la victoire là, s'il vous plaît. Allez les gars, motivés les gars. Putain, 87e, longue touche, c'est dégagé, ça va revenir. Sorg, je sais pas. Oup là, le corner. On a déjà pris un but sur corner tout à l'heure. Stendera peut-être avec toujours. Ouais, Stendera qui centre. Medic qui dégage. Baker. Et voilà, il n'y a plus rien. Pacarada avec Knoll. Pacarada qui est retrouvé. Finn Baker qui va avancer avec le balle au pied. On a Doudou. On a Balouli. On a Balouli qui va progresser sur le côté gauche. Balouli qui prend son temps. Qui va trouver Pacarada, son coéquipier. Pacarada qui centre pour Balouli. Oh là là, s'il la met au-dessus, malheureusement. Hélas, pour son coach. Buntic avec Keller. Schrock. Kalig. Rösler. Linsmeyer. Poulsen. Qui tente de la mettre en profondeur, mais c'est Medic qui récupère avec Pavlenka, le long ballon. Le long ballon de Pavlenka, on comprend pas. Le coach lui dit pourquoi? 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 Il va la rendre vite comme ça. Pourquoi? Et voilà, Poulsen qui est trouvé, qui est seul sur le côté gauche, qui va tenter le centre. C'est contré. Linsmeyer qui la met dans la boîte. Oh, Pavlenka qui capte ce ballon. Il va... Ça va m'énerver. Zender avec Kéré. Zender, il doit centrer. Vite, Butchman, avec Finn. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que ça joue mal. Et je crois qu'on a perdu la position de leader. Envoyez l'adjoint, je vais pas parler avec vous. Toujours pas, on est ex-aequo encore, hein. Fortuna Düsseldorf. Oh là là. Alors, dit qu'il nous met la pression, mais qui reste quand même à distance, hein. Et on va avoir un dernier match pour cette session qui devrait nous révéler des choses. Dani Alves qui pourrait venir, hein. Non, on va pas le faire venir, je pense. On va pas tenter de le faire venir. On va bousculer un petit peu les joueurs, hein, ce jour. Avec une... Bon, peut-être un changement. Je pense qu'on fera jouer Eric Smith. Et on fera jouer aussi également titulaire Zender, Lucas Zender. Capable de... Voilà, de belles performances. Pacarada. Moi, celui qui me gêne, c'est plus... Voilà. C'est plus Thiago Neves. Je trouve qu'il n'est pas... Il n'est pas... Décisif, voilà, il a fait une passe D, hein, là, dans le match précédent, mais voilà, dans le jeu, je trouve pas qu'il apporte. Et le milieu, il s'est trouvé plus là. Là, je comprenais plus trop où on allait. On va, je pense, tenter un petit changement tactique en faisant jouer plutôt axial. Les milieux touchaient la balle, mais ils n'avaient pas d'impact. Dans la relance, peut-être courte relance au pied, parce que là, le gardien, il envoie des pétards loin. Alors qu'on lui a demandé de ne pas le faire. Hein. Expressément. C'est vraiment...
pas de jeu long. Parce que le jeu long, justement, on perd la balle vite. Et on n'a pas de joueur qui est autour de notre attaquant pour récupérer les ballons. Et je vais vous dire à tout de suite pour un épisode d'une durée plus raisonnable. À tout de suite. On va revenir juste un peu sur la sélection de l'équipe. J'ai procédé à quelques changements, comme on peut le voir. J'espère que ça va porter ses fruits. En tout cas, l'équipe va avoir vraiment pour réel objectif de gagner ce match, parce que là, on joue Karlsruhe, qui est vraiment collé à nous en termes de distance au championnat, en championnat. Très important pour nous aujourd'hui d'aller chercher vraiment le meilleur de nos joueurs. On va demander à Butchman de changer un peu son rôle. Eric Smith, qui était en meneur de jeu en retrait. Voilà, on lui demandait de jouer un peu différemment. Pareil pour Thiago Neves, hein, je pense que... Ouais, il doit être en soutien. Pareil, voilà. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment, vraiment mettre la pression sur nos adversaires. Jouer à un rythme très élevé. Aller chercher un maximum le ballon dans leurs pieds. Les supporters veulent une victoire. Nous sommes favoris, nous devrions nous imposer facilement. Non. Les bras écartés. Voilà. Et là, je vais dire, je crois en vous. Là, je vais leur dire, il va falloir s'imposer au milieu. Et je crois en vous aussi. Là, on va mettre en consigne particulière. Parce que ça, c'est quelque chose voilà, que je trouve. Ça change un peu l'attitude des joueurs sur le terrain. Et voilà, on va lancer le match ensuite. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Ça donne de la force, comme vous le faites chaque jour. Chaque jour, on est de plus en plus nombreux. On a dépassé la barre des 130 membres. Vraiment, vous êtes formidables. N'hésitez surtout pas à cliquer et à appuyer, à éclater le bouton. À lâcher des pouces, des petits pouces aussi. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a plein de pouces. Surtout quand les épisodes sont faits voilà, avec de l'énergie. Et puis voilà, on est à domicile. On va supporter là, on va taper dans les mains. Et voilà, on est bousculé. Il y a Hoffman qui a le ballon. Le coréen. Rock. Vran. On a Bournemouth. Allez, Medic. Voilà, qui va trouver Zender. Zender avec Hartel. Hartel, il a intérêt à faire passe décisive. Hein. Hartel avec Zender. On trouve Smith à l'entrée de la surface. Qui va rentrer dans la surface. Une grosse frappe de Smith, mais c'est bien capté par Gerbeck. Allez. Fortuna Düsseldorf qui passe devant nous. Hartel et Medic. Medic, encore lui. Son sixième but cette saison. Qu'est-ce qu'on aime. Voilà, on va les féliciter. On va les féliciter. C'est bien, 5 minutes. Il montre à quel point on joue bien, à quel point on est là pour faire quelque chose. Voilà, on reprend la tête. Voilà, une différence de but qui est vraiment à notre avantage. On va tenter de ne pas concéder de but aujourd'hui. Et normalement, le résultat devrait suivre. Voilà, on a Breno, très expérimenté en Bundesliga. Donc en Bundesliga 2, je pense que ça devrait le faire. Qui trouve Smith avec Finn Baker. Oh là là, Gerbeck qui réussit à la sortir. Et oui, c'est les champs ici qui réveillent les riverains. Oh là là, Medic qui est trouvé avec par Thiago Neves. Malheureusement, c'est capté par Gerbeck. Voilà, Zender avec Hartel. Butchman. Baker. Oh là là, la frappe écrasée un petit peu, mais qui frôle le montant. Zender qui trouve Butchman. Butchman qui va avancer de son pied gauche, qui va retrouver Zender avec Smith. Smith qui trouve Medic. On a Breno dans le rond central. Medic. Ah, l'équipe très haute. Hein. L'équipe est très haute. Hartel. Hartel qui va tenter le centre. Pasquensa. Oh là là. Encore une belle intervention du gardien adverse. Et Thiago Neves qui va tirer le corner. C'est Thiago Neves. C'est dégagé au premier poteau. On va avoir aussi Pacarada ici pour la touche. Avec Thiago Neves. Thiago Neves qui est trouvé. Finn Baker. On change d'aile, on se retrouve avec Zender qui tente la frappe. Butchman sur le côté. Zender, Butchman, Smith, Baker, Zender, Smith.
Smith qui trouve Bachman avec Finn Baker. Finn Baker qui va tenter quelque chose. Non, c'est Smith. On a Breno qui est trouvé. Oh là là. On nous montre des actions, il n'y a pas de frappe à la fin. Hein. C'est bizarre quand même. Hein. C'est bizarre. On a Thiago Neves. Quand même, il a 16 quand même, les gars. Il a 16 en coup franc. Il peut pas faire des trucs comme ça. Ouh, Breno qui frappe juste au-dessus. Il avait été laissé seul au point de penalty. Malheureusement, il n'a pas su trouver le chemin du but. Les poings serrés. Les bras écartés. On va leur dire les mains jointes. On est plutôt bon, mais on peut clairement passer à la vitesse supérieure. Il faut essayer d'aller chercher quelque chose. Ne lâchez rien, vous pouvez le faire. Moi, ce que je veux leur dire, c'est qu'ils ne doivent pas lâcher, vraiment. Vraiment, aujourd'hui, on va essayer de faire en sorte qu'ils soient plus tranchants devant le but, Monsieur Pacienza. Allez, avec Smith, qui trouve Batman. On a aussi Hartel. Zender, avec Hartel. Oh là là, le centre, le beau centre d'Hartel qui trouve Jesbeck. Ah là 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 là, le gardien Jesbeck qui je pense va être élu homme du match. Hein. Il réalise une belle prestation, en tout cas il est en train de sauver son équipe qui n'a toujours pas tiré et cadré la moindre frappe. Voilà, on le dit pour le signaler, hein. pas vraiment pas pour les réveiller. Attendez, on a mis pause, on va changer, on va faire rentrer Balouli. Paciencia qui va sortir, on va faire rentrer Doudou. Et Doudou. Et ensuite, on va faire rentrer Thierry. Ça va être les trois premiers changements. Les trois premiers changements. Le coach qui va faire aussi sortir Finn Baker. Et faire rentrer à sa place Seguin. Et enfin, à la place de... Ah, on va rester comme ça. On va rester comme ça pour l'instant. On va rester comme ça pour l'instant. Première frappe à la 77e minute de la part de Karl Schruh. Et Bachman qui trouve le poteau sur ce coup franc bien placé. Un gaucher hein, comme ça, avec une belle patte. C'est vraiment ce qu'on aime. Christopher Bachman qui va tenter de trouver Medic. Oh là là, la barre. La barre malheureusement. Et Zender qui va revenir. Non, ça ne donnera rien. On va avoir un Breno qui va laisser sa place pour faire entrer Eliakim Mangala. Mangala qui fait son entrée. Est-ce que c'est Mangala le problème? Je le fais rentrer. Est-ce qu'on prend un but quand je le fais rentrer? Alors, les supporters qui sont en train de craquer. Ils donnent tout. Ils donnent de la voix. Oh non. Ouf. Oulala. Ça n'avait pas suivi en défense centrale. Pavlenka qui va trouver. Medic. Non. S'il vous plaît. Voilà, Medic. Medic qui va casser les lignes avec sa passe. Kéré qui trouve Balouli. Le dribbleur fou. Pacarada. Ah là là, c'est bien dégagé par Gerbeck. Oh là 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 là. Encore une dernière occasion pour peut-être agrandir le score. Alourdir le score. Allez. Doudou qui tente le centre et ça va au deuxième poteau, au troisième poteau pour Balouli. Et je sais même pas qui a centré, qui a fait ça. Qui est responsable de ça? On va faire ça. On joue au football, pas au rugby. Zender qui trouve Kéré avec Bachman. Zender qui va avoir un peu de temps pour centrer. Non, le défenseur qui vient qui contre. Smith qui met sa tête. Voilà, Smith. Et on change d'aile avec Doudou qui prend son temps, qui va trouver Pavlenka. Mangala qui est trouvé. Pavlenka avec Medic. On a Bachman. Bachman qui tente de jouer en profondeur pour Kéré, mais c'est intercepté. Le gardien qui va avoir peut-être 10 secondes pour dégager. La balle qui revient vite. Vranx. Ah, ce gars qui récupère ce ballon. Et oui, la première victoire aujourd'hui. La première victoire. Une session sans défaite. C'est ça qu'on aime. Enfin, sans finir par une défaite. Parce qu'on a perdu. On a perdu tout à l'heure. Et je vais vous remercier à la fin de ce match. À la fin de ce match aujourd'hui. Pour votre constance dans le suivi. N'hésitez surtout pas, si vous avez des commentaires, des choses à me dire. Désolé pour l'heure tardive à laquelle sortent les vidéos. Je pense que celle-ci sera disponible vers 22h30. Je suis un peu désolé. Il y a des occupations. Il y a la vie. On va essayer d'être plus régulier. Demain, elle sortira à 21h pile. C'est sûr. Si tout se passe bien,
Et si on a la volonté du très haut, vous aurez cette vidéo très haut. En tout cas, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez surtout pas à laisser les commentaires, à liker la vidéo si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas non plus à donner en commentaire votre avis et à me dire ce qui pourrait être amélioré. On continue et on garde le cap. Voilà, merci beaucoup et passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Au top. Des gros bisous. Merci.